ce bâtiment a été inauguré en 1993. Ouais. C'était le rêve de notre président précédent, Antonio Samaranch, d'avoir sous un même toit toute la collection du CIO. Ouais. Et d'avoir surtout la possibilité de montrer ça au plus grand nombre. Ici, on commence l'exposition avec l'origine des jeux. Ouais. Donc, c'est vraiment une exposition qui est accessible à tous les âges. Comme on voit, vous verrez pendant la visite, on a des visiteurs de tous les âges. Et puis, c'est aussi une exposition qui est très universelle. Dans D'accord. le sens que tous les contenus sont en français et en anglais. Mais on a aussi des audioguides qui sont en 9 langues. Donc, ça permet aussi à beaucoup de gens d'accéder au contenu. Et puis, comme on le voit, on utilise plusieurs types de technologies, que ce soit la vidéo, les écrans, ce qui permet à un plus grand nombre en fait, de s'intéresser au contenu qu'on propose. Le musée est visité par tous les types de publics. Évidemment, pendant la période que nous on appelle la période des visites scolaires, courses d'école, on a énormément d'enfants qui viennent, surtout au mois de mai, au mois de juin. Mais après, c'est vraiment une expérience qui se fait toute l'année. Et on a des étudiants qui viennent toute l'année. Et là, c'est les touristes et les Suisses. Enfin, on ne sait pas trop. Alors oui, on sait. On sait. Ok. Vous demandez d'où viennent les gens. Oui, c'est exactement. Ça oui. On tient des statistiques. Ouais. Donc, on sait très précisément en fait d'où viennent les gens. Donc, en moyenne, on a environ la moitié de notre public qui est suisse. Ouais. Et puis l'autre partie qui vient du monde entier. D'accord. Et puis sur les Suisses, on a une bonne proportion qui est romande. Combien ? Et bien 60-70%, ça dépend un peu des années. Et puis sur ce 60-70%, évidemment, il y a des Fribourgeois comme des Vaudois, des Genevois. Cool. Ouais, c'est un des musées les plus visités de Suisse romande en tout cas. Alors nous, on accueille entre 250 et 300 000 visiteurs par année. Ouais, c'est énorme. Après, ça dépend toujours comment se positionnent les autres. Oui. Nous, on dit plutôt qu'on est dans les 10 attractions muséales les plus visitées de Suisse. Ça peut être une image qui est intéressante. Il y a eu plusieurs grands changements. Au début, on a une édition de jeu tous les 4 ans, mm-hmm. où en fait, on présente autant des disciplines d'été que d'hiver. Ah, déjà dès le début, l'hiver. Oui. Okay. Quelques disciplines, mais ça, c'est quand même. Mm-hmm. En 1900, c'est l'apparition des premières femmes dans les compétitions. À Paris déjà. Exactement, oui. Et puis, à partir de 1924, en fait, on voit qu'il y a sur une même année deux éditions de jeux, été, hiver. Et puis, carrément bien plus tard, on va changer le rythme. On va passer, en fait, à ce moment-là, on avait une édition de jeu tous les 4 ans, hiver, été. Et puis, à partir de 1994, tous les 2 ans, on a une fois été, une fois hiver. Alors, parmi les nombreux artefacts qu'on présente ici dans l'exposition, on trouve par exemple ici le ballon de volley de l'équipe brésilienne féminine qui étaient les grandes championnes des JO de Londres 2012. Ici, on présente plutôt le côté l'esprit olympique, non seulement l'entourage. La plupart des athlètes en fait, n'arriveraient pas forcément à réaliser les exploits qu'ils réalisent sans un entourage autour d'eux. Donc c'est souvent en fait des victoires qui sont pas seulement individuelles, mais des victoires qui appartiennent à plusieurs. Toute une zone qui est dédiée en fait à chaque édition des Jeux, ça veut dire reconstituer comme une mini-ville dans une ville. On parle d'accueillir plus ou moins 10 000 athlètes avec leur entourage, les journalistes, etc. Donc c'est des vrais défis logistiques. Ça c'est les accréditations, comment on appelle ça ? Par exemple, oui, exactement. Donc on voit aussi que ça a pas mal évolué au fil des années. Médecins, athlètes, ouais. Il y a énormément de corps de métier en fait qui gravitent autour de ces athlètes et sans qui en fait la livraison d'une édition de jeu ne serait pas possible. Alors dans cette partie, on s'intéresse en fait à comment la science et la technologie permettent d'améliorer des performances au fil du temps. Et ici, vous avez une démonstration.
mon avis, assez intéressante, où on voit en fait que dans cette discipline qui est donc le saut en hauteur à la perche, l'amélioration de la technologie va permettre en fait d'augmenter la performance. Donc au début, on sautait en fait avec du bois, donc on sent une petite résistance. Le record du monde était à 3,5 mètres. De nos jours, en fait, on utilise des matériaux qui sont composites, avec de la fibre et du carbone. Et puis, ben, c'est sûr qu'on a une résistance qui est beaucoup plus forte, qui permet en fait des performances beaucoup plus importantes. Donc, c'est pas forcément toujours que l'homme, l'humain, est devenu meilleur, mais c'est aussi des fois la technologie. Ça, c'est véridique, les capteurs ou... Oui, les oui, tout à fait. D'accord. Ça, c'est une combinaison d'entraînement dans laquelle, en fait, il y a une technologie qui s'appelle Smart Suite. Et puis, ben, ces capteurs intégrés, ils permettent beaucoup de choses. En entraînement, par exemple, ça permet d'enregistrer des performances. Ouais. Après, de retravailler avec l'entraîneur ou l'entraîneuse. Et puis, ben, ça permet du coup d'améliorer potentiellement une position ou des résultats. Vous regardez les Jeux Olympiques ? Bien sûr. Ouais. Vous allez en live ou vous regardez la télé ? Alors, moi, par ma fonction, c'est vrai que ben, je travaille pour les événements du musée. Donc, nous, on s'apprête à accueillir... on accueille déjà beaucoup de monde, mais pendant les Jeux, c'est toujours une occasion de faire un peu la fête aussi. Oui. Donc, on a un programme qui s'appelle « Vivez les Jeux au musée olympique ». OK. Et durant ces activités, on offre toute une palette d'activités gratuites au public. Ici. Ça commence vendredi soir. Avec la retransmission sur les quais au bord du lac, sur grand écran, de la cérémonie d'ouverture. Et puis ensuite, pendant tous les week-ends, des compétitions, des animations, des activités fun et ludiques, pour vraiment mettre en avant aussi tout ce qui se passe à Paris. Donc, par exemple, le premier week-end, il y aura les finales de skate, hommes. Et ben, nous, ici, on accueillera aussi notre propre compétition de skate sur les quais. Ah, okay. Le deuxième week-end. Les mini-JO, ok. Ben voilà, exactement. Okay. Donc voilà, cool. Nous, on s'apprête aussi à vivre nos propres jeux ici à Lausanne. Ah, les médailles. Voilà, donc là vous avez en fait toutes les médailles des Jeux Olympiques, édition été et puis à l'intérieur édition d'hiver. Chaque édition évidemment a 3 médailles, or, argent, bronze. Ce qui est intéressant de voir c'est que ben, au niveau graphique, elles sont toutes constituées différemment. C'est qui les fabrique ? C'est chaque comité d'organisation nationale, ouais, qui en fait doit respecter typiquement d'avoir 3 médailles. Pour les éditions d'été, ils doivent aussi reproduire cette figure sur les médailles. Après, c'est leur propre interprétation en fait de ce à quoi une médaille doit ressembler. Et ben, d'un point de vue design, c'est chaque fois en fait une belle découverte. De voir qu'est-ce que le comité d'organisation va présenter. D'accord. Celles de Tokyo, par exemple, elles avaient été beaucoup mises en avant dans la presse parce que elles ont été constituées en fait avec des matériaux d'anciens appareils téléphone type smartphone. Oh. Parce que dans chacun de nos appareils, on a un peu de cuivre, un peu de d'or, d'argent. Ah ouais. Et en fait, ils ont récupéré tous ces matériaux pour en faire des médailles. Donc des fois, c'est aussi l'occasion de passer des messages. Ouais. Là, typiquement, on était sur la durabilité. Alors ici, on est dans un de mes lieux préférés dans le musée. On a ici la collection unique de toutes les torches qui ont été utilisées dans le relais de la flamme. Les originaux. Exactement, oui, oui, oui. Et c'est vrai que c'est pour moi un moment c'est un endroit qui est chargé d'histoire et d'émotions. Et nous, en tant que musée olympique, on a la responsabilité de toutes les archives et de toutes les collections du CIO. Qui dit collection dit non seulement objets, comme vous pouvez voir ici, mais aussi tout ce qui est images, sons, archives.
Et c'est du contenu qu'on trouve un peu partout dans le musée, c'est des écrans, mais qui permettent justement en fait, de plonger dans les archives, de voir des images qui ne sont pas forcément des images qu'on peut facilement trouver ou qu'on connaît. Et en fait, à chaque fois, en fait, on lit incroyable. Une édition ou un artefact avec du contenu qu'on possède. Et nous, ce qu'on aime faire ici au musée, c'est raconter des histoires. Donc, mettre un objet ou une image sans en raconter l'histoire, pour nous, ça ne fait pas vraiment sens. Et là, bah, justement, le visiteur ou la visiteuse peut approfondir ses connaissances et faire ses propres recherches. D'accord. Parfait. Et c'est une collection, on a la chance, en fait, de posséder une collection qui ne cesse de croître parce qu'à chaque édition des jeux, il y a des nouveaux objets, il y a des nouvelles images, il y a des nouvelles archives qui sont rapportées. Et du coup, ben, il faut toujours réfléchir aux espaces ou à comment on présente. Donc ben voilà, là, on a déjà fait en fin de parcours de la place pour la, place. La suite. Pour les... Et ici, en fait, on a la chance d'avoir les premières médailles des Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc, elles sont présentées ici en exclusivité. Les premières seront distribuées d'ici quelques jours. Mais en attendant, c'est le seul endroit où on peut les voir. Non seulement prendre en photo avec des magnifiques friges. Ça représente quoi, vous savez? Ça, c'est la mascotte des Jeux Olympiques de Paris 2024. Okay. D'accord. Ça s'appelle des friges. Leur particularité, comme vous le voyez ici, c'est qu'on a une frige pour les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Ah, okay. Elles ont une petite différence. Ah, ouais. Ça peut être aussi l'occasion de faire deux, trois images sur le parc. Tout le parc appartient au musée, enfin... Donc en fait, le parc appartient à la ville de Lausanne. Ah, ok. Vous êtes locataire. Voilà, exactement. Vous avez le droit d'utilisation. Et puis, y a toute une série de sculptures dans le parc qui sont liées justement à notre héritage et qui font clairement partie aussi de l'expérience muséale. Donc on a beaucoup de gens qui passent d'abord... dans le parc pendant une demi-heure, 45 minutes, parce que ça fait partie de l'expérience jusqu'à arriver au musée. Pendant les Jeux Olympiques, dans notre programme Vivez les Jeux au Musée Olympique, on a toute une série d'activités gratuites et ludiques. Et ici, au restaurant, on est en train d'installer, vous êtes vraiment en train de voir les prémices et les coulisses, différents jeux en libre-service. Donc on aura un jeu de pétanque, laquelle les visiteurs peuvent s'essayer, ouais. Du ping-pong, du baby-foot, et puis on aura encore toute une série d'activités en libre-service à l'intérieur. Et puis c'est aussi la possibilité de regarder les compétitions directes, que ce soit ici en au jouant. Restaurant, ouais. Dans le parc. On aura aussi pendant tous les jeux le snack qui est ouvert tous les jours, ouais, cool. De 9 à 23 heures. Donc en mode un peu café des sports. Ouais. Mais avec vue sur le lac et à l'extérieur, donc je crois qu'il n'y a pas de meilleur endroit en fait pour savourer le sport.